Allô? Quand j'ai lu les photoramas, tome 1 et tome 2, je reconnaissais déjà des obsessions, je dirais, de Martin dans son univers visuel. Marcia Avril, c'est une histoire qui se déroule dans le futur, dans un futur utopique, un genre peut-être moins exploré au Québec. Tu sais, je pense qu'on n'a jamais vraiment vu de film de science-fiction comme ça. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse, mais j'avais envie de faire ça. Mais pour un premier film, disons que c'était peut-être un petit peu ambitieux. Moi, je voyais monter ce bateau-là, puis je me disais, c'est pas des farces, mon ami. On va-tu y arriver? On essaie de se préparer le mieux possible, mais pour un truc comme ça, on n'est jamais préparé à 100%. C'est une chose très particulière qu'il fait, dont lui seul détient toutes les clés. Ce qui est plus étrange, c'est de la cagoule. C'est pas de me dire qu'il va avoir une autre tête à sa place. Mon personnage est un personnage dont la tête est virtuelle, donc c'est sûr que ça m'a obligé de travailler en asperges. Là. J'étais appuyé en verre. Et en plus, c'est ce que moi je fais dans le film, c'est vraiment, ils prennent que ma tête puis la mettent sur le corps de quelqu'un d'autre. Ils vont tourner, je serai pas là, ce qu'ils vont décider de faire avec l'interprétation du corps, du gars qui va faire mon corps, j'ai aucune idée. Son seul problème, c'est le souffle. C'était très difficile. Et ce qu'il y a chez lui, c'est la foi dans ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'aurait pas le culot d'aller trouver tel grand homme pour l'aider à faire quelque chose s'il n'avait pas la foi de vouloir le faire. À un moment donné, je prends mes courriels dans un café, puis je reçois un courriel de François Skuyten en personne. Je suis arrivé chez lui, à Bruxelles. Je suis monté dans son atelier, j'entendais sa voix, il parlait au téléphone. Ben écoute, est-ce que tu m'entends par l'ordinateur ou pas? Oui, pas oui, encore. Oui, on vous entend maintenant. Alors, je vais raccrocher le téléphone et je vous retrouve sur l'écran. Ah! Oui, bonjour! Oui, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On travaille fort. Le film avance très, très bien. D'ailleurs, je suis content parce que toutes les belles idées dont on discute depuis tant d'années prennent forme finalement. Par définition, un premier long métrage. T'apprends tout en le faisant, tu sais, c'est une première expérience. Moi, quand j'étais adolescent, je m'imaginais pas que c'était difficile à ce point-là de faire un film. Je me disais, oui, je me doutais bien que c'était de l'ouvrage, que c'était difficile, mais pas à ce point-là. Quand une chose est difficile et qu'il y a des épreuves à traverser et qu'il faut qu'on fasse quelque chose, ça m'excite et ça me donne beaucoup de courage et d'ambition. Heureusement qu'il y avait beaucoup de gens qui y croyaient. Heureusement. Parce que sinon, probablement que le château de cartes se serait effondré. Il y a eu beaucoup de moments où ça a failli partir dans le vent.